Le vendredi 11 janvier 2019, au sein de l'ENA, s'est tenue une cérémonie de décoration des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Parmi les récipiendaires, l'Éternel a fait distinguer quatre de ses enfants de l'USO. Ils ont été décorés chevaliers dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Nous avons pu recueillir les impressions de trois d'entre eux. Tout d'abord, rendre gloire à Dieu. Je suis M. Soko Bamba, le trésorier régional à Bien-Ouest de l'USO. Je suis chef de service des ressources humaines au ministère des Transports, l'Observatoire de la fluidité des transports. Je voulais rendre gloire à Dieu parce que nous sommes des milliers de fonctionnaires et si nous avons été choisis, c'est Dieu qui a orienté les choix. Nous devons lui dire merci. Au-delà de cela, nous avons considéré cette décoration comme une marque de reconnaissance du travail déjà fait, mais aussi pour nous qui sommes encore en fonction, c'est un signe et un modèle aussi pour nos jeunes frères qui sont encore avec nous, de sorte que nous puissions les orienter pour qu'eux aussi puissent accéder à des décorations. Je voudrais dire merci pour cette marque de confiance à mon DG, à mon secrétaire général de l'Observatoire, à mon ministre de Transport. Et je voudrais aussi dire merci à tous les collaborateurs qui ont travaillé avec moi au service des ressources humaines et qui nous ont permis d'avoir cette décoration. Je suis Potin Charles Souris. Ce sont des mots de joie, des mots de reconnaissance à l'endroit de mes supérieurs qui ont bien voulu porter leur choix. Je suis ma modeste personne. Je suis aussi reconnaissant au Seigneur qui a permis que je sois des récipiendaires ce jour. Je pense que ce n'est pas quelque chose qui est pour tout le monde. C'est un privilège que nous avons d'être parmi les récipiendaires. À l'endroit de mon Seigneur, très grand. Merci bien. Je suis heureux et fier de mériter cela aux yeux du ministre de la fonction publique. Mais le mérite revient à Dieu, notre Père, parce que c'est lui qui distingue. Donc, nous rendons grâce à Dieu qui a fait cela. Et disons merci également à l'autorité qui nous a fait de cette médaille. Ben, cette distinction, c'est la reconnaissance des premiers efforts que nous avons déjà faits, mais c'est surtout un encouragement à aller de l'avant, à faire encore mieux. C'est comme ça que nous.